C'est l'info qui fait le buzz en ce moment. Au cours d'une interview, Zokora Didier a révélé que lors de la finale de Cannes perdue en 2012 par les éléphants contre la Zambie, lui et ses coéquipiers avaient supplié la veille Didier Drogba, qui était leur capitaine à l'époque, de ne pas tirer de penalty si jamais l'occasion se présentait au cours du match. Mais ce dernier, qui était d'accord au départ, n'aurait pas tenu sa promesse et a raté le penalty qui allait peut-être offrir le trophée aux Ivoiriens. Face aux multiples réactions qu'a suscité cette sortie médiatique, l'ex-star des éléphants est sorti de sa réserve. En effet, Drogba, sans nommer explicitement son ex-coéquipier, a répondu à cette attaque. Mentir, c'est cacher une vérité que l'on doit manifester. C'est pas mieux de dire la vérité là? Ou bien, lol, a-t-il déclaré sur Twitter. Affaire à suivre.